Chères Marmontaises, chers Marmontais, chers amis, voilà un peu plus de 3 ans que vous nous avez fait confiance pour diriger la ville de Mormant. En ce début d'année, nous avons souhaité faire cette petite vidéo pour vous présenter les projets qui ont été réalisés et ceux qui vont l'être lors des 2 dernières années de notre mandat. Comme promis, le terrain de foot synthétique a été réalisé. Cela permet évidemment au club de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, mais également aux collégiens et aux enfants de l'école élémentaire de pouvoir profiter d'une structure adaptée. Du coup, l'ancien terrain de foot va être transformé en parc et normalement, avec les subventions de l'Agence nationale du sport, on espère pouvoir faire un pump track dans l'année 2024 ou l'année 2025. Par ailleurs, au-delà du parking de l'église et du parvis qui ont été réalisés l'an passé, nous avons décidé de passer le parking de la mairie en zone bleue pour fluidifier le stationnement afin de faciliter le commerce. Du côté des écoles, nous avons également augmenté le nombre de places en maternelle et nous avons changé toute la clôture d'accès au nouveau bâtiment. Nous sommes en train de changer également les clôtures de l'école élémentaire, cette fois en régie. Excellente nouvelle pour 2024. L'entrée de ville va enfin être rénovée. Après tant de mois d'attente, les marchés vont être signés et la commission d'appel d'offres se réunira le 26 janvier, soit dans 3 petites semaines. Pour les cours de la cité Léoéac, ainsi que pour la rue André-Prunet et la rue Jean Jaurès, des travaux ont été validés. Vous en saurez plus prochainement. Vous connaissez tous le contexte économique actuel. Au complexe sportif, nous avons changé l'éclairage, ce qui nous a permis de diviser par deux la consommation électrique. En ville, nous allons suivre le même exemple. Nous avons donc obtenu 2 subventions de la région Île-de-France pour changer 150 points lumineux. En ce qui concerne la santé, c'est un sujet sur lequel vous m'interrogez souvent. Nous travaillons actuellement avec la communauté de communes pour 2 projets sur Mormant. Le premier concerne la rénovation de la maison de santé actuelle et le second, la construction d'une nouvelle maison de santé à l'entrée de la ville. Pour 2024, nous allons continuer à faire de Mormant une ville attentive à chacune et chacun d'entre vous. Des tout petits aux seniors, des familles aux personnes isolées, des personnes les plus entreprenantes aux plus fragiles, la ville de Mormant est là pour vous. Voilà, chères Mormantaises, chers Mormantais, chers amis, le temps est venu pour moi de vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous le souhaite une année pleine de bonheur, de réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Pour celles et ceux qui viendront à l'espace Rosalie Dubois le 12 janvier, nous aurons le plaisir de partager le verre de l'amitié ensemble. Très belle année à toutes et à tous.